La première partie de la montée s'effectue en sous-bois. C'est très agréable, il fait frais encore. On débouche sur la première barre rocheuse. À la montée, depuis le sentier principal, un petit sentier monte tout droit vers la falaise. Il est fléché en orange, un vieux balisage tout pourri. Ne pas tenir compte de la croix, continuer tout droit. Et puis on se retrouve face à la cheminée. Alors c'est un passage un peu craignos, réservé aux montagnards confirmés. À 55 ans, n'ayant plus la même intrépidité qu'à 25, j'ai renoncé à la petite cheminée et je suis redescendu par un petit chemin à flanc, ce qui m'a amené dans un sympathique petit endroit de cuvette que je ne connaissais pas. À l'aplomb d'une cascade qui doit couler au printemps, je pense. C'est très joli ici. Faut que j'y revienne. Je vais poursuivre à flanc par le petit sentier. Après la traversée de quelques épineuses et éboulis, je retrouve le sentier normal. Ah. Après la première partie plutôt raide, la traversée du grand alpage à moutons juste au-dessus des barres est plutôt tranquille. Ça permet de récupérer jusqu'au passage dans les zones de verre qui est boueux, donc à éviter par temps de pluie. Ensuite, on rejoint l'arête, la crête qui va nous amener vers le sommet. Dans les boulis va être très raide, mais ça a l'air très joli quand même, purée. Allez, on y va. Bah, une très jolie zone des boulis. Et voilà la dernière montée vers le fauteuil. Petit passage à l'aide de câbles, enfin de câbles, de chaînes, pardon. Et d'échelles en tout genre. Bon, c'est facile, on est bien assuré. Toute dernière échelle avant le sommet. Sommet de la Tournette. Il y a des pourris qui ont pété la croix du sommet. Et j'ai encore rien à faire, ça leur portera pas chance, je pense. Petit panoramique rapide. S'il commence à faire mauvais, il pleut un petit peu.
d'Annecy. Allez, je pense que je vais redescendre côté Chalet de l'Eau. Comme ça, une fois arrivé à la route, je suis à l'abri. Surtout s'il commence à faire nuit. La Tournette est une montagne très courue, mais il y a quand même pas mal de passages pour arriver au sommet que certains touristes ne pourront pas passer facilement. Je poursuis la descente. Encore une petite traversée avant la descente finale vers les Chalets de l'Eau. Là, c'est l'ancien refuge du CAF. Un peu plus loin, un petit chalet d'alpage. Et ici, c'est l'autre sentier qui monte à la Tournette, où il y a des petits passages craignos aussi. Les couleurs sont extraordinaires ce soir. On entend siffler les marmottes, ça en donne à cœur joie. Vive les marmottes! Elle est un peu loin, c'est dommage. Il y a Fillon qui joue encore au tracteur à cette heure-ci. Fait de l'épandage, ça va sentir bon là. Dernière descente vers les Chalets de l'Eau. Je vais rejoindre la route. Je vais suivre jusqu'au plus bas, jusqu'à rejoindre mon main après. Lac d'Annecy by night. Il est tard, je pense qu'il doit être 20h, j'ai pas regardé l'heure. C'est joli à cette heure-ci quand même. Et la nature est d'un calme, c'est extraordinaire. On entend les cloches des vaches. J'aperçois enfin les lumières de mon main. Super! Eh bien, me voilà de retour à mon main. Eh ben, ça tombe bien, ça sonne pile 21h. Sympa cette cloche. Eh ben, c'est une grosse course quand même, la Tournette depuis ici. Il y a 1500 mètres de dénivelé. Je suis parti à 14h, donc ça fait 7 heures de marche aller-retour. J'ai beaucoup filmé et puis ben, je ferai un petit montage à part sur les bouquetins. Allez, je suis content d'être rentré, moi.